présent sur la croisette pour assister à la cérémonie de clôture du Festival de Cannes samedi 27 mai 2023, Samina Seri s'est avancée sur le tapis rouge au bras de sa compagne, Sofia Athéna, qui fut gênée par un problème au niveau de sa coiffure. Officiellement ouverte à l'issue d'une cérémonie présentée le mardi 16 mai 2023 par l'actrice Chiara Mastroianni en direct sur France 2, la 76e édition du Festival de Cannes se clôture samedi 27 mai 2023, avec l'annonce du grand vainqueur de la tant convoitée Palme d'Or. La fille de Catherine Deneuve sera une nouvelle fois la maîtresse de cérémonie de cette soirée diffusée, elle aussi, en direct sur la chaîne publique. Comme ce fut le cas tout au long de cet événement mythique du 7e art, de nombreuses célébrités se sont succédées sur le tapis rouge, avant de prendre place au sein du Palais des Festivals de Cannes. Parmi ces dernières, les photographes ont pu apercevoir le comédien Samina Seri qui avait fait le déplacement sur la croisette au bras de sa compagne Sofia Athéna avec qui l'acteur de 61 ans partage une différence d'âge de 33 ans. L'ancienne star de la franchise cinématographique Taxi s'était mise sur son 31 pour fouler le tapis rouge du Festival de Cannes. L'acteur avait sorti son plus beau smoking noir afin de faire honneur à cet événement. Sa compagne a également soigné son look, sachant qu'elle serait mitraillée par les flashs. Sofia Athéna portait pour sa part une splendide robe noire mettant parfaitement en valeur sa silhouette. Si est bien simple, la compagne de Samina Seri a illuminé le tapis rouge lors de son passage. Malheureusement pour elle, un petit problème de coiffure est venu gâcher sa montée des marches. Alors qu'elle avait opté pour une coiffure très recherchée avec un chignon, Sofia Athéna a fini par devoir détacher ses cheveux en plein milieu du tapis rouge. Bien évidemment, les photographes n'ont pas perdu une miette de ce spectacle. Cependant, le couple n'a pas été déstabilisé et a éclaté de rire, devant les photographes ravis. Samina Seri récompensée par un prix d'interprétation au Festival de Cannes en 2006 pour Mémoire, ce n'est pas la première fois que Samina Seri et sa compagne se rendent ensemble sur la croisette. Lors de la précédente édition du Festival de Cannes, les deux tourtereaux étaient déjà présents pour monter les célèbres marches du Palais des Festivals. Par le passé, l'acteur fut récompensé en obtenant le prix d'interprétation masculine pour sa prestation dans le film Indigène en 2006. Un trophée qu'il a partagé avec les trois autres têtes d'affiche de ce long métrage. De son côté, Sofia Athéna exerce également le métier d'actrice. Les spectateurs ont notamment pu la voir dans le film intitulé L'épée de Damoclès, qui a été réalisé par le frère de Samina Seri en 2022. Un long métrage dans lequel son compagnon a également joué.